Bien, bonjour à tous les amis, c'est Giga Picon. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, je pète la forme comme d'habitude. Et aujourd'hui, les gars, on se retrouve à nouveau sur Carnivore Dinosaur Hunter. Et oui, les gars, enfin, je refais des vidéos où je parle, donc des vidéos françaises. Hein. Alors, je suis vraiment désolé parce que c'est vrai que ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo comme ça. C'est-à-dire que là, j'avais dit que j'allais faire des vidéos en anglais, du coup, où je ne parle pas. Mais là, pour le coup, c'est vrai, les gars, que j'en ai fait un peu trop. C'est-à-dire que là, j'en ai fait au moins, je crois, attendez que je me trompe pas, au moins une cinquantaine. Au moins une cinquantaine sans que je parle. Enfin bref, sans que je fasse des vidéos françaises. Donc là, bien évidemment, vous en doutez bien que là, je vais arrêter, hein, les gars. Pour l'instant, je vais arrêter les vidéos en anglais et où je parle pas. Et puis, on va reprendre les vidéos où je parle, bien évidemment. Et ensuite, en ce qui concerne les vidéos qui vont sortir par la suite, les gars, sur la chaîne, ne vous inquiétez pas, sur la chaîne, il y aura à nouveau du Ark Mobile, du Call of Duty Mobile aussi. Il y aura d'autres jeux aussi de dinosaures que j'ai découvert et que je vous montrerai en vidéo. Enfin, que j'ai découvert, que j'ai joué vite fait. Mais que nous allons découvrir ensemble, on va mieux découvrir ensemble en vidéo. Enfin bref, les gars, sur ce, je vais arrêter de blablater. Et aujourd'hui, les gars, on est tout simplement là pour chasser du Gigantoraptor, comme vous l'avez bien vu dans le titre. Alors, on va aller sur quelle map on va aller? Allez, pourquoi pas sur... Allez, sur Nibelungen Paradise. Paradise. Moi, je vais arrêter de faire l'accent anglais parce que voilà. Et on va choisir... Hop, allez, différentes armes. On va prendre un peu de tout, quoi. On va chasser avec un peu de tout. On va chasser avec un peu de tout. Alors, on va commencer. Déjà, on va se taper ici. Bon, là, il y en a deux. Donc là, on va prendre l'arbalète tout de suite. Comme ça, l'autre derrière, il va pas nous repérer. Voilà. Hop, le premier, il est mort. Le deuxième. Enfin, il est endormi. Il est là endormi. Ouais, bon, c'est pareil. Non, c'est pas pareil, mais... Je veux dire, c'est que il va pas se relever dans tous les cas. Il ne va pas se relever. Dans tous les cas, il ne va pas se relever. Par contre, je sais pas pourquoi j'ai mis une balle en plus. Parce qu'il était déjà mort. Je sais pas si vous avez fait gaffe. J'ai fait une... Ouais, bon, j'ai fait une petite connerie. J'ai tiré une balle en trop, mais bon. J'ai tiré une balle en trop, mais c'est pas grave. Bon. Là, on va attendre le transfert. Bon, 17 secondes, on a le temps d'attendre quand même. On a 2 minutes, on a 2 secondes. Hein. Enfin, on a 17 secondes. Là, il reste 9 secondes. On va reprendre l'arbalète. Parce que... On va reprendre l'arbalète. Parce que là, on va aller se TP tout simplement. Où est-ce qu'on a 2, là? Juste un truc, c'est que je vais pas me faire. Parce que là, si je vois celui-là, lui il va venir, c'est obligé. À la limite, il y a la montagne là au cas où. Il y a la montagne! Au cas où, il y a la montagne. Ok, bon, alors. Changement de plan. Changement de plan. Quoi? Mais. Je lui ai pas mis une première balle là? Ouais, non, j'ai raté, ok. Il y en a deux? Ah non. Mais non. Alors lui, on va la tirer comme ça. Hop. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on va prendre le fusil à pompe ou le fusil, je sais pas comment ils appellent ça, sur le jeu, mais... Bon, qu'est-ce qu'il fait? Le problème, c'est qu'il y a le cadavre là qui gêne. Il y a ce cadavre là. Ah oui, mais.
Oh l'abruti quoi. Juste avant j'ai usé les balles de d'arbalète du coup. Il m'en reste que 5 là. Ah, je les ai usées pour rien du coup. Je les ai usées pour rien. Ah, c'est pas grave. On va faire avec. Il est là-bas. Avec une tête. J'allais dire si je l'ai pas mise là. Je pensais que je l'avais pas touché au tout début, mais si ça va. Ça va, ça va. Bon, là par contre on va quitter. 19 secondes, mais bon, je m'arrête là. Hein, parce que si on se fait bouffer et qu'on perd 840 euros, ce serait con quand même. Ça serait con. Là, il y en a plusieurs qui vont venir là. Ce qui est bien, c'est qu'on a spawn là, on n'a même pas utilisé de transfert, donc là on aura kill 3 dinos, 3 gigantoraptors sans faire de transfert, et ça c'est bien puisque bon, on pourra faire plus de kills que ça, quoi. On sera pas obligé d'attendre, mais je pouvais pas l'avoir autrement. Deuxième. Alors les gars aussi, comme vous pouvez voir, là actuellement du coup quand que je suis en train de faire cette vidéo, et comme vous avez pu voir aussi tous les vidéos en anglais où je ne parle pas, vous avez pu remarquer que le son était meilleur que ça, était largement meilleur. C'est-à-dire que le son avant il était pourri, on va pas se le cacher les gars. Je vais pas le nier, hein, il était pourri quoi le son. Pourquoi? Parce que bah, tout simplement les gars, non, je n'enregistre pas. Enfin, je vais vous expliquer mieux que ça juste après. Je l'aurais tué lui. Donc voilà, c'est fait. Donc je disais du. Donc. Je vais y arriver à parler. Hein. Je vais y arriver. Donc avant, les gars, comme vous avez pu remarquer, le son était vraiment merdique. Pourquoi? Parce que j'enregistrais avec le son externe. C'est-à-dire, ça enregistre avec le son du jeu, mais les bruits de fond également. C'est-à-dire que c'est pas qu'avec le son du jeu. Et là actuellement j'enregistre aussi avec le son externe, mais avec le son du jeu, enfin j'enregistre aussi avec le son externe. Sauf qu'avant, j'enregistrais avec le son externe, mais qu'avec le son de mon téléphone. Et là les gars, j'ai eu une idée de génie. Et je pensais pas que ça allait marcher. Franchement, ça marche plutôt bien. J'utilise du coup mon enceinte JBL, qui est juste à côté de mon téléphone, du coup là. Où je suis en train de faire cette vidéo actuellement. Et franchement, ça fait comme si, limite, on dirait que c'est largement mieux, c'est peut-être un peu mieux que le son interne. Parce qu'il faut savoir, les gars, que le son interne, sur certains jeux, il peut avoir quelques problèmes quand même. C'est pas des bruits de fond, mais c'est des bruits assez bizarres, je saurais même pas dire ce que c'est. Mais il y a des bugs, quoi. Alors que là, voilà, avec la baffe, vous n'êtes pas embêté, machin. Ça fait un très bon son. C'est juste qu'il faut pas mettre la baffe à fond, faut pas mettre la baffe trop bas non plus, faut trouver un juste milieu, quoi. Enfin voilà. Bon, bref, les gars, pardon, je vais arrêter de parler, et puis on va chasser là quand même, parce que voilà. Et voilà. Là, le son, vous pouvez voir que le son est meilleur, quoi. Parce qu'avant. Et là, au moins, je peux mettre. Là, actuellement, où j'enregistre cette vidéo. J'ai dit cette vidéo. Oh là là, j'ai du mal à parler. Cette vidéo. Bah, du coup, je. Comment expliquer ça? Enfin, c'est pas comment expliquer. Je sais même plus ce que je voulais dire en fait. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Bon, bref, on va se concentrer un petit peu là. Parce que là. En fait, j'oublie vite ce que je dis, là, ce que je pense. Parce que ce que je voulais dire. Parce que je suis concentré en même temps, les gars. Désolé. Désolé, mais voilà. Voilà. Lui, il arrive. Ah! Je pensais l'avoir mis. Je pensais lui avoir mis la balle. Bon.
Ah mais en fait ça fait déjà... Ah ouais, ça fait déjà... Ça fait déjà 10 minutes de vidéo là. Bah les gars, je pense qu'on va... Du coup on va bientôt s'arrêter là. On va bientôt s'arrêter là. On va s'arrêter là, je pense. Hein. Merde. Ah, en plus il a bugué en plus. Ça a bugué. Ça a bugué. Puis les gars aussi, pour ceux qui se demandaient pourquoi je sortais pas de vidéo du coup depuis un moment, là vous avez pu voir, je sortais plus de vidéo. C'est simplement parce que je faisais la vidéo des Ceratosaures. Des Ceratosaures réunis. Ah mais je pensais qu'il était mort. Oh là là. Bon là je fais de la merde là un peu. Je peux vous dire les gars, tout ce que je peux vous dire c'est que la vidéo des Ceratosaures, franchement, où j'ai réuni tous les Ceratosaures, la Ceratosaurus Killing, c'est la vidéo là quoi, j'ai. Enfin Ceratosaurus parce que j'ai mis en. C'est en anglais quoi. Et franchement les gars, c'était une horreur. Hein. C'est pas tout de suite que j'en referai une quoi. Parce que sans déconner les gars, j'ai pris ben, justement le temps que je n'ai pas fait de vidéo, j'ai pris 12 jours quoi. Parce que 12 jours parce que j'arrivais pas à chaque fois quoi, j'ai eu du mal à réussir à faire cette vidéo en fait. C'était juste horrible les gars. C'est je peux pas vous dire plus à part que c'était horrible. Deuxième, il arrive. Il y a un stégoule. Un stégoule. Bon, eh bien les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. Hein, avec, on termine cette vidéo avec ces deux Gigantoraptors. En tout cas, bah, j'espère que la vidéo vous aura plu. Hein. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo et à mettre des petits commentaires qui font plaisir. C'était Gigapicode sur Carnivore Dinosaur Hunter. Et je vous dis bisous à tous et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sur Carnivore Dinosaur Hunter. Enfin, je pense que les gars. Ouais, c'est pas je pense. La première vidéo sera sur Carnivore Dinosaur Hunter. Et la chasse surprise, bien évidemment. Vous allez le découvrir. Vous allez le découvrir dès que je sortirai cette vidéo. Bref, on va arrêter de blablater. Bref, voilà. Bisous à tous et à la prochaine pour une nouvelle vidéo, les gars.